me mets sur le ventre, je m'allonge, je mets bien mes coudes hauts. Quand je dis sauveteur en position, on remet le menton sur ses mains, on serre bien les jambes et je dis top, on se relève et on court chercher un petit bâton. Go! C'est pour s'échauffer, c'est pour que les enfants ils s'amusent parce qu'on est qu'ils sont quand même en vacances. Le but c'est que ça soit ludique. Donc on fait un petit jeu sur le sable. En plus c'est un petit jeu de sauveteur. Donc on leur apprend à faire un peu de sauvetage aussi. On fait une séance de 45 minutes. Après on s'adapte en fonction d'eux. L'objectif là ça va être continuer ce qu'on a vu hier. Hier on a commencé à mettre la tête dans l'eau, souffler, à ce qu'ils soient à l'aise dans l'eau, qu'ils n'aient pas peur. Et du coup là on va commencer à avoir les déplacements sur le ventre et sur le dos. Comme ça, quand on est adulte, on peut aller au large. Je sais depuis longtemps que je voudrais apprendre à marcher. Et que je ne pouvais pas, maintenant que je peux, j'en profite.